Ce mardi 6 décembre, lors de la deuxième demi-finale de La France a un incroyable talent sur M6, André Manoukian a utilisé son golden buzzer. Il a ainsi permis au groupe La Petite Fumée de se qualifier directement pour la finale. Sur Twitter, les internautes n'ont pas compris son choix. Le 18 octobre dernier, Karine Le Marchand reprenait les rênes de La France à un incroyable talent pour une 17e saison inédite. Tout au long de la compétition, le jury a assisté à de nombreux numéros, dont certains n'ont pas manqué de le surprendre. Des golden buzzers ont été utilisés, permettant aux candidats sélectionnés de se qualifier directement pour la grande finale du concours. Après une première demi-finale diffusée la semaine dernière sur M6, la deuxième demi-finale a tenu les téléspectateurs en haleine ce mardi 6 décembre. La Petite Fumée de retour, sa prestation jugée spectaculaire par Marianne James au cours de cette soirée, le groupe La Petite Fumée a fait son retour dans la compétition. Juste avant de se produire sur la scène de La France a un incroyable talent, les chanteurs sont revenus sur leur première audition. On a bien réussi à secouer les gens, a commenté l'un d'entre eux. Ça nous a sorti de notre zone de confort, a poursuivi un autre membre. Cette demi-finale, ils l'ont abordée avec confiance, parce qu'ils ont bien bossé, ont-ils expliqué aux caméras de M6. À la fin de leur prestation, le groupe a été acclamé par le public, mais aussi par le jury. Si Marianne James a parlé d'une mise en scène spectaculaire, Hélène Ségara a salué leur énergie de dingue. Pire golden buzzer de la saison, on est d'accord? De son côté, Sugar Sammy s'est demandé si le groupe était assez bon pour aller en finale, ce qui lui a valu les remontrances d'André Manoukian qui lui, a adoré. Il s'est d'ailleurs lancé dans une explication lunaire. Tout de suite, vous nous branchez, mais sur ce qu'il y a de plus terrien entre nous. On est les jambes écartées et on commence à sentir cette énergie qui nous prend dans l'entrejambe et qui monte petit à petit. Vous êtes des chamans, leur a-t-il dit. D'un coup, il s'est levé pour actionner son golden buzzer. Grâce à ça, la petite fumée a directement décroché son ticket pour la finale. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité sur Twitter, loin de là. En effet, les internautes ont fait part de leur incompréhension. Pourquoi ce golden buzzer? Il est tombé sur la tête Manoukian ou encore ne jamais donner à Manoukian un golden buzzer? Quel gâchis! Déçu. Mais non, ça ne vaut pas un golden buzzer là. Hashtag FOI, microphone, Gaël Delitre. Appareil photo, @GaëlL3, 10 Ember 6, 2022 non mais ce golden buzzer, inutile 20 hashtag FOI, Romain B. @RomainBance, 10 Ember 6, 2022 Newton n'importe quoi Manoukian. Comme d'habitant hashtag FOI, Stéphane Maître @StephMaître08. 10 Ember 6, 2022 le golden buzzer le plus éclaté de toutes les saisons hashtag FOI hashtag la France on incroyable tal, Florian Dor, Ukraine, @Dor-Florian, 10 Ember 6, 2022 absurde ce golden buzzer bien qu'on s'en doutait. Le côté perché de Manoukian, peau de teinte olive, hashtag FOI, Johan Burns @JoanBurn, 10 Ember 6, 2022 pire golden de la saison on est d'accord? Hashtag FOI, Malobiti @BuchetteMallory,
December 6, 2022. C'est quoi ce golden buzzer pourri, Pomat? Hashtag Ifoi, Anaïs arrobas Wipizov, December 6, 2022. Pourquoi ce golden buzzer? Il est tombé sur la tête Manoukian? Hashtag Ifoi, chat arrobas Bruagnesti, December 6, 2022. Ne jamais donner à Manoukian un golden buzzer. Quel gâchis! Je n'ai rien contre la petite fumée, mais il y avait tellement de talent qui le méritait déçu. Hashtag Ifoipic. Twitter.com/3GUKWZB, degré, pierre précieuse, avoir la tête qui tourne, degré d'aille, degré qui rit, degré, avoir la tête qui tourne, pierre précieuse, degré arrobas BMUJITO, December 6, 2022. À lire aussi, tu ne t'es pas trop fait mal? André Manoukian chute sur le plateau de la France à un incroyable talent 2022.